Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour mon room tour. Ça y est, j'ai enfin tous les meubles que j'ai eu besoin pour finir ma chambre actuellement. Elle est terminée, voilà. J'ai plus de meubles à acheter, c'est juste maintenant quelques petites décorations pour combler, pour donner un petit peu une petite ambiance. Donc en fait, à savoir, chez Clara, donc la chambre était... faisait la moitié de celle que j'ai actuellement, et donc le truc c'est que je ne pouvais pas non plus faire beaucoup beaucoup de choses, je n'avais que 3 meubles, et le seul point positif en fait que j'avais dans cette chambre c'est que je pouvais accrocher ce que je voulais au mur, je pouvais percer des trous, mettre des cadres, voilà, je pouvais faire pas mal de petites choses, Clara me l'avait accordé, sachant que ici maintenant comme vous le savez nous sommes que locataires, la seule chose qu'on nous permet en fait de faire c'est, allez, 2 trous maximum pour chaque pièce, il faut faire vraiment attention, et on a le droit bien évidemment de mettre des punaises. Donc à savoir que tout ce que j'ai mis au mur sont mis avec soit des punaises, soit de la pâte à fixe, je vous expliquerai pourquoi après. Pour revenir un petit peu chez Clara, l'ambiance que je voulais donner à ma chambre en fait c'était un côté un petit peu girly, avec beaucoup de cadres, d'attrape-rêve, un petit peu dans les tons rose, beige, gris. Et à savoir que ici j'ai voulu donner un style totalement différent parce que j'ai tellement de possibilités. Mis à part que je ne peux pas changer la couleur des murs, pour le moment on y laisse en papier peint qu'on a actuellement, mais plus tard on va voir avec notre propriétaire si on peut changer le papier peint pour mettre des couleurs un peu plus neutres à certains endroits. Bon, encore ma chambre, vous verrez que le papier peint est assez neutre, mais c'est pas vraiment le style de papier peint que j'aime. Déjà le papier peint je suis pas fan du tout, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc aujourd'hui voilà, je vais vous faire le tour de ma chambre, juste de ma chambre, et je vous prévoirai beaucoup plus tard un home tour, mais alors pas quand je serai toute seule parce que je ne serai jamais toute seule, surtout là en période de confinement c'est pas possible, mais je vous ferai, enfin j'ai prévu de faire un avant, pendant et après pour cette maison. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être très très longue. Donc en rentrant dans ma chambre, on va commencer direct par ce côté là, donc juste à droite j'ai mis un petit meuble que j'ai acheté donc à Lidl à l'époque, j'habitais encore chez Clara, donc au dessus voilà j'ai mis ma petite bonbonnière, ça fait un moment que je l'ai acheté à la foire fouille, pareil un petit cendrier où je mets mes clés de cadenas pour le boulot et évidemment le gel hydroalcoolique. Dans les tiroirs, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, là, il y a juste une petite panière vide. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour le boulot et encore du gel hydroalcoolique, pardon. Et en dessous, ma réserve de bouffe, qu'il n'y a plus rien du tout. Voilà, c'est une petite commode que je mets directement à l'entrée de ma chambre. Comme ça, quand je rentre du boulot, je pose mes affaires ici. Et voilà, ça fait guise un petit peu de range-tout aussi. Alors je vais pas faire la gauche tout de suite parce que pour le moment c'est pas bien rangé. Je vais aller direct à droite, donc on va partir sur le maquillage. Donc ici j'ai posé cette étagère que vous aviez déjà vue chez Clara, que je ne peux pas accrocher au mur malheureusement, que j'ai dû en fait, pas rafistoler mais j'ai dû faire un DIY. J'ai mis en fait des feuilles dessous parce qu'à chaque fois qu'on marchait ici, bah, y a toute l'étagère qui basculait et vraiment j'ai pas envie de faire tomber quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu rangé de la même manière que chez Clara, tout en dessous on a des babioles, ici c'est tout ce qui concerne pour boire l'été, les machins. Au-dessus, les produits de beauté que j'utilise très souvent, mes déodorants. Juste au-dessus, j'ai mis mes parfums avec ma petite pochette de chez Sephora avec tous les échantillons que j'ai reçus à chaque commande. Au-dessus, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, les petits rangements acryliques pour les rouges à lèvres de chez NYX, des rouges à lèvres derrière que j'utilise pas, tous les vernis de chez Yves Rocher et quelques petits bijoux, voilà. Juste au-dessus, ça n'a pas changé, les monophares de chez Yves Rocher, j'ai mis ceux de chez NYX aussi, ma petite lampe ici et là, et au-dessus... Voilà, c'est vraiment, je ne savais pas où les mettre, donc j'ai mis ici. Juste à côté, j'ai mis la guitare de mon tonton, qu'il faudrait que je me renseigne pour voir si je peux la réparer, parce que mon ex l'avait cassée. C'est enculé, là. Excusez-moi. Mais du coup, bah, j'y tiens énormément, parce que mon oncle est décédé il y a plusieurs années, et c'était vraiment... c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, et voilà. Elle est toujours dans ma chambre. Et c'est là qu'on va commencer, les gars. Le maquillage.
Alors, donc j'ai posé le téléphone sur le trépied pour que ce soit plus stable et pour que je puisse utiliser mes deux mains pour vous montrer. Donc ce côté-ci, c'est uniquement mes pinceaux, comme vous pouvez le voir. Je commence à en avoir un petit peu. Là d'ailleurs, il va falloir que je les lave parce que ça fait 2-3 jours que je me maquille pour des vidéos et du coup, ça commence à s'accumuler. Donc je les ai triés en fait par catégorie. Tout au fond, à gauche, nous avons les pinceaux de chez Wish. Ici, là, on a aussi des pinceaux de chez Action que j'avais acheté un kit mais que j'ai pas aimé du tout. Juste derrière, hop, on a les petits pinceaux de chez AOA Studio qui sont propres uniquement, hein. Ici, tous mes autres pinceaux uniquement pour les yeux. Oui, j'ai pas précisé, c'est pour les yeux. Qui sont propres aussi, donc j'ai un peu de tout, hein. J'ai du AOA Studio, du Sigma, du Zoeva, Wish aussi, j'ai du Kiko, voilà, j'en ai un petit peu. Juste devant ici et là, vu que j'ai pas assez de place dans les pots, j'ai mis tout ce qui concerne les pinceaux pour le teint qui sont propres. D'ailleurs, il y a un pinceau que j'ai toujours pas testé pour l'highlighter. Va falloir que je m'y mette. Et donc juste devant, bah, tous les pinceaux sales qu'il faut que je lave, que ce soit le teint ou les yeux. Juste ici, tout à gauche, j'ai mis ma petite panière avec tous mes pins que j'ai pu acheter en convention, que j'ai pu recevoir avec des commandes. Et dedans, en fait, c'est tout ce qui concerne donc mon bandeau pour me maquiller, mon petit ventilateur, j'ai un miroir, voilà, c'est. Et surtout, en fait, des petites serviettes. Quand je me maquille, j'utilise toujours des serviettes pour pas en mettre partout. Bon, après, le basique, hein, les cotons démaquillants, les cotons-tiges. Derrière, c'est un petit truc que j'avais acheté à Action pour faire sécher les pinceaux. Donc mon miroir, et donc juste ici on a donc tous mes rouges à lèvres. Évidemment je n'ai pas assez de place pour tout vu que j'en ai racheté ces derniers temps. Je veux pas dire que je les range par catégorie mais presque. Là on a tous les AOA Studio, Jeffree Star, là c'est du NYX, Makeup Revolution, hop là. Donc Makeup Revolution, j'ai du Kiko, Yves Rocher, Huda Beauty, toujours Huda Beauty, voilà j'ai du Urban Decay et encore du Kiko. Voilà. Bon après, bah, voilà, ça c'est la base de chez Fenty Beauty que je suis obligée de laisser en fait comme ça parce que je peux pas racler le fond. Alors du coup, je la laisse debout pour que le produit coule et que je puisse le récupérer. Et pareil pour le fond de teint de chez NYX. Une petite brume d'eau et derrière on a deux sprays fixateurs. Ici c'est un, je pense que vous reconnaissez, hein, c'est un gros pot Kinder où je mets en fait mes blenders qui sont sales et qu'il faut que je lave. Ici, mon petit manège à bijoux pour mettre toutes mes boucles d'oreilles. Mes blenders, juste là, qui sont propres. Et après, bah, mes lentilles et un petit support pour blender. Bon, là, j'ai mis une guirlande parce que je ne sais pas encore où la mettre, donc je la laisse ici. J'ai mis aussi ça, rappelez-vous, je l'avais mise avant sur mon bureau, tout simplement. Mais vu que je pense en plus ça se voit très bien là, en fait, il gondole. Et du coup, pour faire mes papiers, c'est pas pratique. Donc j'ai dit au lieu de le jeter, je vais le mettre sur mon bureau maquillage, comme ça fait toujours un petit truc assez sympa. Juste au-dessus, alors j'ai fait ça vraiment comme j'ai pu, hein, des punaises tout simplement. J'ai rangé tous mes colliers pour ne pas qu'ils s'en mêlent. Pareil, ce collier-là, c'est parce que je ne sais pas comment le ranger. Donc j'ai mis des punaises tout simplement. Bon là, j'ai mis ma coque de téléphone avec Clara, je l'ai personnalisée sur un site, parce qu'en ce moment, je ne la mets pas. Ici, on a ma petite étoile que j'avais achetée à la foire fouille. Et juste au-dessus, hop là, je vais recentrer un peu deux posters de Marvel. Bah, tout simplement, Les Gardiens de la Galaxie et Avengers. Je trouve ces posters très colorés et j'aime trop ces posters. Ça fait longtemps que je les ai achetés en plus. Donc évidemment, Groot. Et ensuite, Avengers Endgame. Pour moi, ça marque la fin d'Avengers. Après, c'est mon avis personnel, mais pour moi, c'est la fin. Donc, du coup, voilà. Je reprends tout ça en main. Juste à côté, nous avons bah, la dernière chose, en fait, qui est arrivée dans ma chambre. C'est mon étagère, ma bibliothèque. Je sais pas trop comment on appelle ça. Donc, je vais vous montrer tout ça. Tout en haut, du coup, on a les choses que je ne sais pas où ranger. Donc, on a une bougie Bouddha, mon petit chat qui n'a plus de piles et les quatre premiers tomes de One Piece en version gros manga, quoi. Juste en dessous, alléluia, j'ai pu enfin mettre toutes mes figurines. Par contre, ça a été galère à toutes les nettoyer, elles ont pris la poussière. Mais au moins, voilà, maintenant elles sont là et je suis trop contente. À la base, je les avais pas mises ici, mais je trouve qu'elles sont mieux en haut parce que ça fait moins fouillis du coup. Donc voilà. Ensuite, cet étage-là, c'est tout ce qui concerne les DVD.
les cassettes, j'ai carrément des cassettes, et des mangas que je n'ai pas pu mettre en dessous. J'ai mis évidemment quelques goodies. Ici, bah là, on a tout le reste de mes mangas, hein, donc voilà, je peux pas vous dire mieux. One Piece, Naruto, Fairy Tail, L'Attaque des Titans et Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc juste en dessous, on a une partie de mes figurines pop. Donc là, j'ai voulu regrouper en fait tout ce qui concernait les mangas et séries, donc The Walking Dead, hein, c'est les seuls que j'ai. Il faut savoir que 80% des figurines qui sont là, c'est pas moi qui les ai achetées, ça a été des cadeaux. Toutes celles du haut là de Fairy Tail, c'est Aurélie qui m'y a offert. Elle m'a offert les deux de SAO et le reste c'est moi qui ai acheté. On a Groot par contre qui n'a pas sa boîte parce qu'à l'époque, enfin c'était ma première figurine que j'avais achetée et quand je l'ai achetée, bah, j'ai jeté la boîte. Très très intelligent. L'avant-dernier, bah, le reste de mes figurines, là c'est tout ce qui concerne Avengers et j'ai même du Doctor Who. J'ai mis, bah après voilà, j'ai essayé d'y ranger comme j'ai pu, le cadre avec ma sœur. On a la figurine de Daryl que Clara m'a offert, mon petit truc. Et mon petit rangement qui a été customisé par Clara, je crois pas que je vous l'avais montré. Bon, il y a aussi de l'autre côté et le dessus qui a été fait, mais là, bon bah, je peux vous montrer que ce côté-là, je trouve qu'elle me l'a trop trop bien fait, je suis trop contente. Et en dessous, bah voilà, c'est des babioles. Tout ce qu'il y a là-dedans, en fait, c'est que des pochettes à rangement pour le maquillage quand je peux partir en week-end ou en voyage, voilà. Ce qui est très très rare. Voilà pour la bibliothèque. Donc je suis très contente. J'avais vu sur Amazon pour presque 60 €, je crois, entre 60 et 70. Et du coup, bah, je me suis baladée sur Facebook Market et à savoir que je l'ai eu pour 20 €. Elle est nickel. Donc je suis très contente. Juste à gauche, j'ai mis mon cahier à dessin et là, bah, je mets chaussons, chaussures. À droite, vous reconnaissez le meuble. C'est le seul meuble qu'il y avait dans ma chambre quand j'étais chez Clara. Et juste au-dessus, on a ma télé. Alors c'est une télé qui est très 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 grande. Juste derrière, j'ai mis des néons pour justement. Bon là, on n'y voit pas trop parce qu'il fait jour. Mais voilà, j'ai mis des néons autour pour donner justement cet aspect. Bah, l'aspect que je veux donner à ma chambre, en fait, cet aspect néon, gamer et tout ça. Donc voilà, juste au-dessus, j'ai pu mettre ma batte Lucille. Je suis très contente parce que je ne savais pas où la mettre. Je pense que je vais enlever la guirlande, ça fait vraiment tache. Je sais pas encore. Mais ouais, j'ai mis une petite guirlande autour. Le souci, c'est qu'on voit le boîtier, donc ça fait pas joli. Mais bon, je suis contente, voilà, malgré qu'on voit du coup les punaises, j'ai mis du fil de pêche pour y accrocher. Ben, je suis quand même contente de l'avoir mise en valeur comme ça. Juste à droite, j'ai mis donc un poster que ma grande sœur m'avait offert il y a très longtemps de One Piece. Et en dessous, des goodies, voilà, que j'ai accroché. Donc le chapeau de One Piece, le bandeau de Naruto, kunai et collier de Naruto, mon masque Block B et une petite clochette. Voilà. Juste là, j'ai mis ma lampe à bulles sur le radiateur parce que je ne savais pas où la mettre. Donc du coup, je l'ai mise ici. Je crois qu'elle commence un petit peu à être morte parce qu'elle a beaucoup de mal à faire des bulles. Mais bon, c'est pas bien grave. Ma petite table basse que je vous avais jamais montrée, j'avais achetée quand j'étais chez Clara. Je l'avais achetée je sais plus où, mais j'adore ce style de table. Donc là, j'ai mis mon plaid à l'intérieur et c'est ma table de chevet en fait. Mouchoir parce que l'allergie arrive. J'ai mis mon petit cactus. Ça, c'est un petit truc que mes parents m'avaient offert. Ça me sert de veilleuse quand j'ai besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ça fait une petite lumière. Et une crème pour les mains que j'ai toujours pour pouvoir y utiliser. Donc là, juste en dessous de ma fenêtre, nous avons mon lit. Avec, j'ai enlevé pas mal de peluches hein, parce que j'en avais trop avant. Juste au-dessus, donc toujours à côté de la fenêtre, je vais me mettre comme ça. Donc on a mon poster Yu-Gi-Oh! Que Vincent m'a gracieusement donné. En dessous, nous avons des attrape-rêves, un petit cadre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment accroché avec des punaises. Hein. Il y a juste les posters, du coup, qu'au début j'avais mis avec des punaises et qu'à la fin j'ai complètement enlevé tout parce que ça me déchire tous mes posters et je suis un peu dégoûtée. Donc ici, nous avons trois posters de The Walking Dead. Donc ce poster m'a été offert par Vincent aussi. Et ces deux-là, je les ai achetés à Leclerc. Et juste au-dessus, le fameux cadre Bouddha que je n'ai pas pu mettre chez Clara. Et franchement, j'étais très étonnée parce que, bon, déjà, il est très grand, ça, voilà, hein. Et j'étais étonnée parce que du coup, c'est tellement léger, bah, on l'a accroché avec des punaises. Voilà. Et il tient, il bouge pas. Et je le trouve très, très, très beau. Voilà pour ça.
Je vais continuer au-dessus du coup. Là, pareil, avec des punaises, j'ai accroché donc le cadre que j'avais acheté à Action avec toutes les photos de mes copines, de ma soeur, de mon chien, de mon oncle, voilà, de mes parents. Ma petite lampe Love qui est juste là. Le fil est caché par un attrape-rêve. J'ai pu mettre ma grille aussi, je suis très contente avec toutes les photos Polaroid qu'on a pu prendre. Toujours des attrape-rêves. Ici, du coup, alors ça, c'est une petite affiche. Donc, c'est une copine à ma grande sœur qui fait ces dessins-là. Et quand on était allé la voir, on était la voir pour la Japan Touch, je crois. Elle avait un stand et du coup, ma grande sœur voulait me payer une affiche comme ça. J'ai choisi celle de Sangoku parce qu'on retourne aux sources, hein, on reste au basique. Donc voilà, je l'ai accrochée ici avec, pareil, toujours mon petit cadre Dr. Wu. Ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Et bah, ça, c'était pour mes 20 ans, je crois. Je sais plus. Enfin, du coup, voilà, j'ai gardé ça. Ce qui nous rend maintenant au bureau, bureau normal. Donc, je vais enlever la chaise. Hop, alors oui, j'ai un siège roulant que j'avais eu donc pour mon anniversaire. En plus, je peux me coucher et ça, c'est génial. J'aime beaucoup trop ce siège. Je vous avoue, je me suis renseignée pour un siège Gotaga, mais quand j'ai vu le prix, j'ai vite abandonné. Bref, donc voilà mon bureau. Bon, là, il n'est pas trop trop rangé encore. J'ai déjà eu mieux. Donc évidemment, avec tous mes papiers, mes crayons, mes stylos, mon ordinateur et les enceintes. Là, par contre, je ne vais pas vous détailler les tiroirs parce que là, c'est du privé, là, totalement. Mais voilà, je vous montre au moins le dessus, ce que ça donne. Et là, maintenant, on va atterrir à droite. Donc, ici, en général, je mets donc ma ring light et le trépied. Bon, là, je l'utilise actuellement, mais je mets le trépied. Comme ça, je ne plie rien du tout, en fait. Ça reste toujours déplié. Comme ça, si je dois tourner une vidéo, j'ai juste à y prendre et y brancher. Voilà. Et donc, ici, on a. Alléluia, une penderie. Les gars, j'ai une penderie dans cette chambre. Ce que je n'avais pas chez Clara. Je vais reculer un petit peu. Voilà, donc c'est une penderie à deux portes coulissantes. Voilà, bon, le carton qu'il y a juste là, c'est mes affaires d'hiver. Il faut que j'y range. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai bien customisé, hein, surtout le haut. Donc, à droite, c'est tout ce qui concerne ma famille, mes amis. À gauche, c'est tout ce qui est voilà, convention, des petites affiches que j'ai reçues de Shop Miss Hay, des trucs de manga là-haut. Enfin voilà, c'est vraiment des petites affiches comme ça. Juste ici, nous avons tout ce qui concerne mes prints, donc tout ce que j'ai pu faire en shooting photo qui sont imprimés. Et tout à gauche, eh ben, on a tout simplement tous les prints que j'ai pu acheter en convention ou à mes copains et mes copines. Voilà. Donc j'ai voulu tout mettre ici. Et d'ailleurs, il y a d'autres photos qui vont se rajouter. Parce que je compte en imprimer pour en mettre un peu plus là. Et j'aimerais bien voir pour en remettre ici. Je sais pas trop encore. Donc voilà, bien customisé, hein, c'est bien rempli tout ça. C'est mon mur, on va dire. Mon mur souvenir. Ou ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Donc juste là, bon, comme je vous ai dit, ça, c'est des affaires d'hiver qui vont partir. On a cette petite étagère, rappelez-vous, que j'avais toujours chez Clara. Alors à la base, je voulais m'en séparer, mais au final, elle est super utile quand je tourne des vidéos make-up ou achats et favoris du mois. Parce que du coup, je la mets à côté de moi, j'ai plusieurs rangements et je peux mettre tout mon maquillage. Voilà, tout ce que je présente dans une vidéo, bah du coup, voilà, je l'ai gardée, je la laisse ici pour le moment. Parce que je vois pas où c'est que je peux la mettre. Bah là, on a ma corbeille à linge et le linge propre que je dois ranger, du coup. Alors le seul point négatif du fait que je n'ai pas vraiment de place de ce côté-là, c'est qu'en fait je suis obligée de tout enlever pour pouvoir ouvrir donc ma penderie. L'autre côté ça va parce que j'ai la place. Donc voilà pour ma penderie. Bon, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est une penderie de ce qu'il y a de plus basique. En bas j'ai mis un petit meuble pour mettre toutes mes chaussures. Voilà, j'ai mes sacs aussi ici. Bah là, c'est tout ce qui est t-shirt, tout, enfin des petits pulls, crop top, débardeurs, voilà. Ici à droite, bah, les cintres que j'ai d'avance et tout ce qui concerne les cosplays. Voilà, tous les cosplays sont ici. Par contre, c'est pas pratique parce que c'est pas très très accessible. Juste au-dessus, premier rangement. Donc ici, on a tous mes pantalons. Je pense que vous l'avez vu dans un vlog que j'ai changé ça de place. Et ici, on a des rangements que j'ai achetés donc chez Action. Là, c'est tout ce qui concerne appareil photo,
lisseur qu'il va falloir que je range. J'ai quoi d'autre? J'ai mon sèche-cheveux. Voilà, c'est électronique. Ici, c'est pareil, c'est tout ce qui est électronique. Et tout au fond, c'est tous les accessoires cosplay. Au-dessus, c'est pareil. Après, c'est que du rangement bazar un petit peu, sauf là en fait où il y a tous mes vêtements, haut de pyjama, bas de pyjama et les shorts d'été. Et après, voilà, vous voyez que c'est que du rangement bazar. Voilà. Ah oui, et en bas ici, on a tout ce qui concerne donc mes perruques. Et juste à droite, on a une petite cagette avec toutes les chaussures de cosplay. Voilà. Donc voilà, et écoutez, depuis le temps que vous me le demandez, ce room tour, et depuis le temps aussi que je voulais le faire du fait que j'ai déménagé. Donc comme je vous ai dit, il manque encore certains éléments de déco. Je sais pas si je vous l'ai dit en fait, l'ambiance que je voulais donner dans cette chambre, parce que je vous ai dit ce que je faisais, ce que j'avais voulu donner chez Clara, mais pas vraiment ici. Donc comme je vous ai expliqué brièvement avant, ici en fait je veux donner vraiment un style un peu, bah, vraiment côté otaku, évidemment. Et côté un peu gamer, geek et tout ça, tout ce qui est néon, clavier qui fait de la lumière. Voilà, c'est vraiment un côté que je veux donner. Je vais acheter d'autres néons, évidemment, pour en mettre un peu partout. Voilà, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment regrouper le maquillage ensemble, regrouper tout ce qui est manga ensemble, et après, bah, tout ce qui est le reste, c'est un peu fouillis. Mais voilà, moi je m'y plais, j'aime beaucoup cette chambre, je suis très contente d'avoir le double de ce que je pouvais avoir chez Clara. Je me plais ici vraiment et je suis très très bien dans ma chambre. C'est d'ailleurs l'endroit où je passe le plus de temps, évidemment. Même quand je travaille, je rentre du travail, je vais direct dans ma chambre et je n'en sors pas. Donc surtout là en plus avec le confinement, je suis pas beaucoup sortie autant dans le jardin qu'ailleurs. Donc voilà, c'est que je m'y plais, c'est que je suis bien, je fais le ménage très régulièrement alors que chez Clara je ne le faisais pas du tout. C'est ma mère qui s'en occupait une fois par semaine et encore des fois quand elle avait pas le temps. Ma chambre passait à côté. Là maintenant vraiment, je me mets un point d'honneur en fait de me dire je fais le ménage. Enfin, j'aimerais faire le ménage une fois par semaine, mais du coup je suis obligée de le faire plus dans le sens où ici en fait il y a énormément de poussière et du coup je suis obligée de passer au moins un coup de balai une fois tous les 2 jours, presque tous les jours pour que ce soit minimum propre. En plus bah, je perds beaucoup mes cheveux. Bon là avec le confinement, je les ai pas coiffés ou quoi que ce soit. En plus, je sors ma cure de sébum, donc je les ai jamais recoiffés. Mais je perds énormément mes cheveux, donc du coup, il y a plein de cheveux par terre, le chien qui va dehors, qui ramène de la terre, qui perd ses poils et tout ça. Je suis obligée de faire le ménage presque tous les jours. Gros gros ménage, je me mets un point d'honneur à le faire au moins une fois par semaine, voire, allez, grand maximum une fois toutes les 2 semaines. Quand je dis gros ménage, c'est vraiment j'enlève tout ce qu'il y a sur les bureaux, sur les étagères et tout ça, et je fais un gros ménage comme je vous ai fait pour notre dernier vlog confinement. Voilà. Je vous ai même pas montré en plus. J'ai un tapis. Depuis le temps que je voulais un tapis dans ma chambre, maintenant j'en ai un. C'est un peu une plaie, mais bon, c'est parce que j'ai mon chien, mais sinon c'est pas bien grave. Bref, donc voilà. J'essaie vraiment de tout ranger correctement, de pas mettre trop le bazar parce que je ne veux vraiment plus vivre dans la merde. Ça me saoulait d'en avoir partout. Des fois, il y avait des montagnes de vêtements que je ne rangeais jamais. Je ne veux plus vivre comme ça. Maintenant, j'ai 25 ans. Il faut vraiment que je mette un coup de pied au cul pour me dire, tu fais ton ménage toi-même, tu fais ton lit toute seule, t'es grande. Enfin voilà, tu fais tout toi-même. C'est ta chambre, c'est ta pièce. Tu t'en occupes de A à Z. Voilà. Ma mère n'a pas le droit d'y mettre les pieds, sauf quand elle veut venir prendre des bonbons. Mais sinon, ma mère ne touche à rien. Voilà, il faut que je me débrouille. Je suis assez grande maintenant. Voilà. Ah oui, au fait, dernière chose, je suis en train de faire le montage là et du coup, j'ai remarqué que je n'ai pas montré en détail ce que j'avais dans mon bureau maquillage. Donc ça, je vous le prévois pour une autre vidéo comme j'ai pu faire quand j'habitais chez Clara. Je vous ai fait donc le room tour et je vous ferai une vidéo spéciale rangement maquillage dans mon nouveau bureau. Voilà. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes content d'avoir eu enfin ce room tour depuis le temps que vous me le demandez et que je vous l'avais promis. Voilà, et ben écoutez, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et quant à nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais gros bisous et prenez soin de vous. Ciao !